La food fight à Johnny! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Hey, là, c'est comme, hey, c'est une surprise, vous saviez pas ça, vous autres, là. C'est la deuxième food fight à Johnny, mais là, aujourd'hui, j'avais besoin de l'aide. Parce que on va manger, moi et Mylène Cormier, vous la connaissez peut-être, la fameuse vlogueuse acadienne. Ah, mon Dieu. T'es fameuse, t'es une vlogueuse, fait que ça marche, je te dis là. Puis je suis vraiment excitée. Parce que Mylène est probablement une des plus grandes fans de l'Auberge d'Anjou, et là, mon bout préféré, Coucouning Café, de la région. T'sais, là, premièrement, si vous connaissez pas l'Auberge d'Anjou, Coucouning Café, c'est Uzo. Je vais mettre le logo right type, c'est Uzo. À Petit Rocher, downtown. Mm-hmm. Si vous n'avez jamais été là, vous manquez de quoi là, pour une big time. Faut vraiment que vous sortez là. Parce que c'est eux autres, les sponsors aujourd'hui de la foule d'argent, ils nous ont donné ça, comme ça n'a pas de sens. Moi, là, je l'ai tout payé pour ça, là, puis comme Cécile m'a quasiment battu, elle dit « Non, tu ne payes pas pour ça! » Puis Valérie, c'est « Hey, c'est des Français! » Sur l'accent, je le fasse parce que c'est des Français de France. Oui, Jérôme et Cécile. C'est probablement les plus gentils de la région après ta mère, mais moi, parce que sa maman, c'est Zézé, la cantine à Zézé. Moi, tu sais, t'as dit je suis Mylène la vlogueuse, ben dans le fond, c'est pas ça le monde m'appelle. Moi, c'est Mylène à Zézé ou Mylène la fille à Évoud. La fille à Jean-Marc à Évoud. Qu'est-ce qu'il veut ta grand-mère? Non, Évoud, c'est genre le père, mon père. Mais tu sais, moi, j'ai jamais connu, mais genre le monde connaît Évoud. OK. Donc, moi, je suis la fille à Zézé ou la fille à Jean-Marc à Évoud. Mais dans pas longtemps, elle va être Mylène la vlogueuse, tu sais. Puis ta mère, tu vas dire, c'est oui, c'était la mère de la vlogueuse, tu sais. Oh my god. Donc aujourd'hui, je m'ai dit, garde, je peux pas avoir 12 pâtisseries, 12 viennoiseries. Et je dis même du premier moment. Moi, je dis toutes des bons dessins. C'est toutes des bons dessins. Mais c'est l'affaire, c'est spécifique. Parce que les pâtisseries sont faites avec de la pâte, les viennoiseries sont faites avec une espèce de Jérôme m'expliquer ça, là. C'est ça, eux autres, ils m'expliquent toutes des fois, puis tu sais, ils sont vraiment cute, mais. Moi, je comprends pas tout. Mais dans deux semaines, vous allez comprendre parce que Jérôme va venir faire une jasette dans deux semaines. Vrai? Oui. Nice. Donc, vous allez tout comprendre ça dans deux semaines. Donc, écoutez aujourd'hui, vous serez mélangés et dans deux semaines, tout va s'éclaircir. On met ça de même. Donc, pour ceux et celles qui connaissent le concept de la Food Fight à Johnny, c'est les 12 noms qui sont ici. On fait des combats, donc deux à la fois. Le gagnant passe à la deuxième ronde, ce qui va nous donner 3 combats à la deuxième ronde et 3 gagnants. Et c'est là que Mylène va avoir de la misère parce qu'il faut vouloir déterminer. La médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze du meilleur, la meilleure gougâterie. Moi, dans la vie, je suis pas capable de prendre des décisions. Le monde qui me connaît, là, ils savent. Là. Ça va être beau, ça. Mais il y a du monde qui me dit, là, en cause. Moi, je connais pas trop ça, l'astrologie. Mais genre, l'astrologie, au moins, tu rentres à l'astrologie, toi. OK? Non, mais ils disent en cause, comme c'est dans un trait de balance. Ah, t'es une balance? Moi, je suis une balance, okay. J'ai de la misère à faire des choses. Ben, ça fait du sens parce que tu veux balancer tout, dans le fond, tu veux être égal partout. Peut-être, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis un Capricorne, ça, je fonce. Moi, j'aime pas de quoi, je le dis. Mais là, il n'y a rien là-dedans qui sera pas bon. Non. On s'entend, là. Depuis tout à l'heure, je garde de même, j'allais à une énorme là. C'est juste que y a des... ça se fait des fois, il y a des goûts qu'on c'est aime ça. Moins. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Comme il y en a un spécial comme exemple, celui-là, le flan. Le flan. À voir. Ça, check, mienne. Regarde ça, c'est comme. Oh my god, c'est mou! C'est mou. En tout cas, je vais vous les montrer à mesure, là. So, merci beaucoup à l'Auberge d'Anjou. Coucou, oui, Lynn Café! Merci, les autres qui sont là, encore une fois, je vais les mettre là. Puis ben là, évidemment, l'été s'en vient. Et là, qui parle, là, malgré qu'on va voir la bulle atlantique. Mais regarde, c'est une grosse bulle, mais restez au Nouveau-Brunswick quand même. On a du beau stuff, là. Comme le monde de la région, regarde, vous n'êtes pas obligé de rester en vacances ici, mais allez visiter ce qu'on a par ici. Si vous n'avez jamais été à l'auberge, allez là le matin, prendre votre déjeuner, un petit café, comme elle fait souvent pour éditer des vlogs. Oui, ah, puis as-tu ton. Oh, oh non. Qu'est-ce que je voulais montrer ton chai, mais tu l'as fait. Ah, ben c'est tout. Tu l'as rangé. Non, c'est moi, c'est mon matcha. Ah, mon chat à Wanky. En tout cas, tantôt, on a goûté des petites boissons sur mon vlog. Vous allez voir son vlog pour voir les dégustations de boissons. Mm-hmm. Mais allez visiter l'auberge, comme ils sont tellement gentils. Leur manger est excellent. Bon, t'es-tu prête? Moi, je suis prête depuis matin. Puis, genre 2, tu commences. Celui-là, on goûte-tu les mêmes en même temps? Oui. OK. Oh, la tartelette. Oh, à la pécan. OK. C'est lui, j'ai plus peur. C'est ça qu'on parlait tantôt. OK, c'est tartelette pécan et cookie au M&M. OK, bon, cookie au M&M. Bon, ça fait que tartelette, on ne mangera pas tout ça, évidemment. Non. So, je vais. Là, ça va être le fun. Moi, j'aimerais t'aider à couper. Ça va apporter un petit couteau. Je sais pas où je l'ai mis.
Je sais pas si ça fait du bon sens avec la croûte. Mais quand je vais le prendre comme ça. Pick it and take it. Comme ça, j'ai jamais pris ça. Ok, bon, ça commence bien. Moi, ça non plus, parce que j'aime pas la pécane. C'est ça. Donc, on commence avec pécane. Ok. Et la tartelette érable pécane. Mm. Là, j'aurais dû prendre une mousse de photo parce que l'avant, je vais pas le toucher. Dans le fond, ça ressemble à ce site, mais en rond. Là. Ça, il manque deux coins. Il manque deux petits morceaux. Là. Bon appétit, toi. Okay, bon appétit. C'est ça, moi je prends beaucoup de dessert, mais il y en a, je goûte pas. Là. Comme j'ai jamais goûté. Ça, je suis comme excitée. Mm. Et la pécane, là, elle est solide, à mon dit. Hein. Mm, ben, c'est comme l'érable. T'aimes l'érable si tu veux aimer ça. Moi, je trouve la pécane est comme molle. Sautait bien que le. Ouais. Sautait bien que tu n'auras pas le misère. Non. Mm. Mm. L'érable, t'es gros vœu tout de suite. Oui. C'est genre comme. Mm. Ça, on dirait que c'est dans le même style qu'une tarte au sucre. Oui! Tu sais, comme un. Des petites tartes, là, comme un petit noeud au raisin, petit noeud au pécan, justement. Oui. Hum! Vraiment bon. Hum, un peu plus bon. Mais là, on peut pas tout manger ça, là. Non. Comme là, faut que j'arrête, là. Faut que j'en garde, là, pour plus tard, si ça va vraiment loin. C'est vrai, on peut pas s'en tirer. J'ai comme oublié mon conflit. Je prends un autre petit morceau. Si vous avez pas été voir, ben comme là c'est sur ta chaîne, ça, c'est probablement là, les chips là, ben. C'est pas déjà. Et tu prenais trois chips, mais c'est comme j'ai dit tantôt, on peut pas prendre trois bêtes de ça à chaque fois là. Honnêtement, c'est meilleur, je pensais. Vraiment bon. Sérieusement là. C'est meilleur, oui. Je pensais. Ouais. Hmm. Je vais prendre une dernière petite bête. T'es pas si bondi, Mylène! T'as tout mangé toi! Oh, tu vas d'accord ça. Oh, j'aime ça, regarde. Les biscuits M&M. Ça, c'est comme populaire pour les enfants, je crois. Ben, comme là, le petit, lui, va triper. Ouais, c'est ça. Je regarde. Plie-toi en morceaux. Mm-hmm. Ah, moi, tu vas pas avoir le verre. Non, je t'en prie pour moi. Je vais faire un ménage après, je dirais. Voilà. T'as pas. Non, ben, là, je sais. Attends, là. Tiens. T'es là. Mangez pas tout, par exemple, là, comme non. T'as dit. Ok. Ça, j'ai déjà goûté ça. Moi aussi. Hey, il fait assez chaud, le gars. Ah, c'est plus rare. J'ai plein de colorants sur les mains, vous pouvez pas voir, c'est vrai, mais. Si y a une compagnie de air conditionné qui va être sponsor. Sponsor. Let's go, vas-y, fall. Oh my god. Mm. C'est bon. Non, c'est pas bon, ça. Ben, moi, j'ai une théorie. Je le dis après. Dieu. Oh mon dieu, ok. Moi, je pense. C'est du bon biscuit, ça. Je sais pas, tu sais, Jérôme va te dire là, comment il fait ça. Ben moi, je trouve en France, comme leur pâtisserie, sont comme moins sucrées, genre. Oui, ça c'est vrai, ça. C'est plus, moi... Quand je trouve, moi, je peux plus en manger, c'est plus santé. Ben, quasiment. C'est la face, ils utilisent tellement des bons produits. C'est ça. Comme, des produits de qualité. Tu sais, ils utilisent pas de la farine no-name du Walmart, de la farine no-name. Il prend vraiment des bons produits, des bons chocolats. Comme d'ailleurs, quand j'étais, il m'a fait goûter des chocolats, il prenait des pastilles. Mm. Ça fond dans la bouche. C'est pas parce que tu fais chose, parce que c'est vraiment des chocolats de qualité. Là. C'est ça, c'est ma théorie. Mm. Ça fait du bon sens que tu m'as dit. Mm-hmm. Ouais. Je sais bon, qu'ils utilisent moins d'affaires. Là, il n'y a pas d'OGM, des OGM ou les autres. Des OBS, en tout cas, quand même. Mais ben, moi, je pense que c'est assez simple pour moi. Là. Moi, la tartelette passe. Là. Moi aussi. Ouais, moi, fou. Bon, t'as un biscuit, c'est un biscuit, là. Tu sais, c'est bon, mais. On n'est pas obligé d'avoir le même, by the way, là. Non, on va faire le propre bracket, là. Ça aussi, c'est une autre affaire. Moi, vu que j'aime pas prendre des décisions, je vais dire, ah, oh, moi aussi. Mais ça, pour vrai, c'est la pécane. Non, pour vrai, là, c'est pécane, là. Pécan. J'adore les biscuits, mais moi, je suis un petit peu moins sec. J'aime quand il y a comme une. Plus moist. Ouais, okay. Moist. Moist. Ben, regarde, je vais faire un bracket. Comme là, on a le même. Mm-hmm. Si on a différent, je vais le marquer différent. Ok, là. Moi, j'ai une feuille aussi. Ouais, non, mais regarde, je vais le faire. Ce serait ça pour ça. Ok, ben super. Si on a un différent, je crée juste M avec ton nom, puis je mettrai un J mon nom. Bon, moi, je suis. Ok, on va accueillir, on va mettre ça, ça part aussi. Ça, c'est bon. On va mettre ça dans un coin. Mais encore là, c'est pas parce que le biscuit a pas passé, le biscuit est pas bon. Non, c'est ça. Bon. Vraiment bon. Ouais, on va aller avec. Oh, ça, par exemple, le Paris-Brest. Oh! As-tu goûté? Non. Moi non plus. Mais j'ai tellement entendu de bonnes choses sur le Paris-Brest. Puis c'est beau, mais moi, j'ai goûté lui, mais qui a comme la. Oh, la crème blanche dedans un peu. Paris-Brest contre le pain au chocolat. Hmm. Une chance, j'ai pas le Suisse, par exemple. Ouais, le Suisse. Là, j'aurais moins aimé ça.
OK. Tu vas aller le Paris-Brest. Et c'est beau, ça, par exemple, le Paris-Brest. Hein. C'est you... comme une donut fancy. C'est quand même ça que c'est couvert. C'est comme c'est coupé en deux. Regarde, ça, c'est ça le Paris-Brest. Sorry, là, c'est dégueulasse quand je monte une main, mais il est doux et tout plein. Là. Mais tu sais, on fait ce qu'on veut. Puis un pain au chocolat, c'est. C'est ça. C'est... D'autres appelleront ça. Je les mets un chocolatine, on pourrait dire. Et il y a deux petites strings de chocolat, je sais pas si vous voyez là-dedans. Là. Ouais. J'ai déjà écouté des vidéos YouTube qui font un débat genre, c'est-tu pain au chocolat, chocolatine. Oh, pour vrai? Ouais. Ben, au Bromandard et Jérôme, mais dans deux semaines. Ben, tu sais, là, c'est pain au chocolat, lui, j'imagine, eux sont. Ouais. Team. Team pain au chocolat. Ça. Mais ça, c'est sûr, c'est bon. Ça, j'ai déjà goûté souvent. Mm-hmm. Ça, je sais que c'est bon. Moi, je l'aime chaud. Oh, OK. Avec du beurre ou juste chaud? Non, juste chaud. Okay. Comme ça, puis la Suisse, là. OK. Tu apprends lui, tu veux. Wow. Le milieu, tiens. Mm. Regarde, vous voir, là, comme ça. C'est bon. Ah, ça, je vais prendre un beau, hein, parce que... Oh, ça sent tellement bon. C'est frais, là. C'est mortel. C'est mortel. C'est juste mortel. Ça n'a pas de bon sens. Mm. Moi, là, ce que je trouve le plus incroyable, c'est les layers de porc. Moi, ça me fascine. Moi, j'écoute des vidéos, là, comme si je pourrais voir Jérôme, là, faire ça en slow motion. Hein? Jérôme, freak, de là, c'est filmé, en fait, hein? Hey. Je pense qu'il avait déjà mis une photo une fois où il avait posé, je crois, les croissants. Oui. Les petites. Non, non. Sorti. Oh, God, c'est bon, hein? Mm. Moi, je suis le Paris-Brest a affaire à. Être ouais. Solide parce que ça c'est maudit dans le bon. Ah, regarde la crème. Là, Paris-Brest, ça va chier le beau de l'eau. Ça c'est garanti, mais regarde. Faut faire que ce qu'on a. Hein. Mm. Les besoins de la situation. C'est ça. Et moi, je suis encore reconnaissante, tu hésites le bout de ça. Passoir. Mylène est hésitante à venir faire une jasette, OK? Là, je me dis, garde, je vais la break in avec des desserts. Puis elle a dit oui tout de suite, je peux pas dire non à ça. Là. Impossible, je vais dire non. Mais dans la prochaine. Cet été, là, moi, j'ai pour but de t'avoir. Oh mon dieu. Hey, ça chie. Ça chie. Regardez ça, pas en plus là. Oh, hey, là, tu sais. Hey, ben prenons un. Comme un bon, des on va deux. Faire un carré, là. Ouais, comme là, entre deux, comme ça. Hey, t'es smart, hein, entre les deux, elle dit. Mais quand on pognait ça avec notre. Ah, oh, ben, oublié. Ça, je sais pas ça. Ah, je sais pas mieux ta cuillère, je pense. Hey, ta fourchette. Ouais. Bon, ça, regarde. Pour la bulle, COVID. Hey. Il y a plus ça. Si je serais pour Nia, exactement, pis il a jamais eu, on s'en sortait peut-être. Hein? On sortira pas un débat là-dessus. Non, mais... non, on va arrêter ça tout de suite. Ça sent comme un. Je sais pas. Ça sent bon. Moi, je suis pas bonne avec les senteurs. Là. J'ai eu des plans cette semaine. Je pensais que c'était de la menthe. Ça finit, c'était du romarin. Oh mon dieu! Hey, moi, j'ai juste pris la crème là. Ok, ça c'est bon en maudit. Oh my god. C'est frais. Ferme pas les yeux. Live the moment. Oh my god. Oh my god, ça c'est bon. La crème elle a quelque chose là. La crème est tellement comme pas pesante. Non, mais c'est ça. C'est au café, je crois. Ça goûte un petit peu de café. Ah, c'est vrai. À moi, je suis wrong, mais ça goûte un petit peu de café. Oh my god, c'est bon. Non, regarde ça, j'ai jamais goûté ça. C'est belle valeur, je l'ai fait passer un pour en goûter un autre morceau. moi, je prends ça. Ben, hey, moi, ça passe, pas pour le faire passer, ben, moi, ça passe le pain. Ouais. Enfin, tu sais, si on s'entend, c'est une couche de plus. Ah, c'est une solide couche, là. Oh my god, c'est bon, c'est ça. C'est vraiment bon. Waouh. C'est comme tu dis, c'est léger, c'est pour ça que je dis, on peut en manger, on dirait que c'est pas. Tu sais, comme on dirait des fois de la crème potée que tu la manges, puis. C'est ça. Ta langue est comme graisse. Hey, non, là, ça. Vraiment bon. Mais comme tu dis, je suis pas massue, c'est au café. Ou genre comme un caramel ou quelque chose. C'est bon, hein? Comment ça? Le pain passe. Le pain passe. Oh my god! Ok, ça, Paris-Brest est là, puis pain au chocolat, ben c'est pas qu'on t'aime beau, mais. Non, ben. T'es pas de calibre. T'es pas de calibre, pour ça. Mets-le là. Oh, moi, les petits. Tiens, ça va être lui. Ok. Je sais pas si on va pouvoir passer. Tu veux-tu défaire le cadre? Non. Tu vas t'accrocher un tout petit. Hey, ça va être zoomer out, ça fait tout le temps, yeah. Maudit caméra à mort. Oh boy. Oh, tu vas être content. Tartelette choco caramel. Contre. Oh, le flan. Oh, yo, yo. Ok, ça, tartelette choco caramel qui est excellente, mesdames et messieurs. Et ça, pour être honnête, moi, je l'ai jamais goûté. Non?
Okay. Ben, je l'ai goûté, genre, une petite bête, mais j'en parle moins. Flan, hey, ça c'est épais, là. Je sais pas si vous pouvez voir, ben. Ça, là, je suis vraiment excitée de le goûter. On commence avec le choco caramel pour commencer. Ouais. Ben, je vois beaucoup de personnes, comme le partager sur Facebook. Le flan. C'est genre la grosse affaire, là. Le flan. Le flan, ok. Ouais. Comme exemple, Michel, là, du bistrot, du oui. Show, là. Comme lui, il dit que c'est le meilleur flan. T'as-tu du caramel? Ok, mais t'as oui. Du caramel, c'est bon. Okay. Oh! Eh ben ça, je te jure, lui, là, ça, c'est ça, sans la tortelette. C'est mortel, ça. Non, ben le millionnaire. Pour vrai, là? C'est ça, sans la... Puis, hey, petite chose comique. Vous voyez qu'il y a un chocolat dessus? Ça, c'est qui va l'avoir? Non, non, ben minute, ben je te le donne. C'est pas sais-tu que ça vient, ce chocolat-là? C'est le chocolat du Ikea. Ah, oh, ouais? Jérôme m'a dit ça hier. Ah. C'est les petits chocolats du Ikea. Ah, Dusty, c'est un sac rouge, tout le monde parle de oui. Ça. Moi, c'est du caramel croquant, oui. C'est genre un score. Ah, ok. Moi, genre un score, moi. Les youtubeurs parlent de ça. Les youtubeurs, les youtubeurs. Ah non, faut tout, okay. Faut tout. Ouais, je le dis, faut tout tu prennes. Okay. Oh my god. Tu es dégueulasse. Oh. Oh my god. Ok, le caramel cool. C'est incroyable. Non, non, ben c'est tout le même. C'est pas, là, c'est pas parce que le jour, c'est tout le même. Oh my god, wow. C'est pas du caramel qui saisit, c'est du caramel juste coulant. Oh, mon oh c'est tellement bon! Non, ben, tout de suite que vous écoutez ça, allez à l'auberge. Vous prenez une pause de la vidéo, il faut vous aller pour faire chercher un. Après, vous revenez à la maison, puis là, vous continuez la vidéo. Oh my god, ça c'est terrible! Ah, oh, ça n'a pas de sens! Non, mais c'est pas bon. Comme le millionnaire, c'est le, okay. Le chocolat, le caramel coule pas. Oh my c'est god. Bon! C'est tellement bon! Oh my god, c'est bon! Ça n'a pas de sens! Puis tu goûteras le chocolat est aussi excellent, je vais te le donner au complet. Ouf! Mais ça, ce n'est pas à essayer à la maison, là, faut essayer ça tout de suite. Non! Okay. Non! Non! À soir, c'est tout qu'on a des shakages, hein, pas une hausse de sucre. Là. Ouh! Le chocolat oh aussi. Non. Oh non, non, je le sais! Le chocolat ajoute, tu dirais, à tout ça. C'est vraiment comme un score, genre comme un... Tu comprends ça, mais c'est une je crois que c'est une différente sorte de caramel qu'il y a dedans que le score. Moi, c'est bon, c'est bon. Mais là, mesdames et messieurs, le gros mystère, le flan. Ça a l'air comme un... Ça, Jérôme m'a dit que pour lui, c'est son meilleur dessert. C'est son vraiment? Dessert préféré. Mmh. Il dit que quand il travaillait en France, ou à Paris, ou je sais pas trop, là, il en mangeait comme à tout le monde. Vraiment? Ouais. Mmh. Oh my god, c'est bon. Ça a l'air, tu sais, comme un dessert de Paolo, je trouve. Ça, c'est fancy. Tu sais, je verrais pas ça à une autre place. Ouais. Ah, moi, il me fait peur. Ben moi aussi, pas. On dirait que j'ai aucune idée c'est quoi. T'as pensé à Flubber. Ça a l'air, tu sais, les vidéos genre sur BuzzFeed ou comme des oui. Affaires de main, comme ils font comme genre des gros gâteaux qui shake, là. Oui, comme, ben en gélatine, genre. Ouais, bien. Genre, ben ça a l'air à ça. Comme ça goûte quoi les œufs? Ça goûte-tu une saveur? Ça va être une surprise. Ça va carrément être une surprise. Ok. Je vais attendre qu'après ta première. Ok. Tiens, je suis. C'est vraiment mou, regardez ça! En tout cas. Je sais pas. Oh, ok! Chapeau! Okay. Ah ben, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi ça veut. Vous le voyez! Mais là, on dirait que je m'attendais pas à ça. Ça goûte un petit peu la vanille. Moi, j'aime pas. Je sais pas si j'aime. Je sais pas. On dirait que je savais c'était mou, mais je m'attendais pas à la texture là, on dirait. Hey, c'est zéro que je m'attendais à, mais zéro. Je trouve que c'est comme la texture d'un, d'un pudding. Ouais. Hein? Puis jello. Un mix des deux, hein. Moi, je trouve que c'est bon, mais moi, mes goûts, je le prendrais pas de nouveau parce que. Comme je suis plus chocolat aux fruits, genre. Ok, moi. Moi aussi. C'est pas super... c'est mauvais. Je vais manger les nouveaux là. Moi, je suis un gars de texture. Là. C'est ça, là, c'était trop mou pour moi. Vous direz, des fois, je suis comme. Quand ça roule dans ma bouche, moi, des fois, je ne tripe pas trop. Non, ben, regarde, moi, pour là, c'est mon. Moi, je vois avec ma tortelette de choco caramel, c'est comme. Ouais. Hands down. C'est ça, mais c'est ça. Mais regarde, moi, j'ai le feeling que ma main est très près, big time, sur ce dessin là. Mais ça, c'est comme je te dis, moi, je vois ça sur Facebook partout, là. Comme le monde voit l'auberge pour en prendre. C'est vraiment un pudding, mais plus épais qu'un pudding. C'est ça.
Puis là, Cécile et Jérôme vont écouter ça, puis ils vont rire, ils vont dire non, c'est clairement pas ça. Ouais, non, clairement pas ça. Mais tu sais, c'est comme la texture là. Ok, ben c'est café le tout là. C'est ça, je me demande, il fait-tu bien ça avec la torche, comme avec une torche? Ça, non, ça, je pense que c'est une couche de chocolat. Ah, ouais. Je suis pas comment sûr. Ça a l'air le dessus d'une crème brûlée. C'est vrai, mais ben, c'est pas croquant pendant tout. Ah, une crème brûlée, ça, c'est bon. C'est aucunement croquant. Non, c'est ça. C'est vraiment spécial. Ben, après, c'est spécial. Ouais, mais... c'est quelque chose à, s'adap- à s'adapter, peut-être. Tu sais. C'est ça. Mais, ouais, tartelette. Non, ça, là, c'était une belle découverte. Moi, je sais pas pourquoi t'as jamais goûté à ça. Non. Ben, c'est comme je te dis, moi j'ai des passes dans la vie. Que, exemple, j'aime beaucoup quelque chose. Je vois juste. Oh, là, c'est mon pied qui fait ça. C'est. Je vois juste prendre ça. Ok. Comme là, moi je prends toujours. Aussi à l'auberge, les déjeuners sont incroyables. Oh, moi, je prends toujours le numéro. Là, j'ai changé là, cette semaine. Là, je sais plus c'est quoi mon numéro. Numéro 4, c'est la seconde. La seconde, là. Le numéro 2 ou numéro 3, en tout cas, le panini. Moi, c'est mon. Ah, ok, panini déjeuner. Ouais. Ça, c'est le goûteau à Karine, pareil. Ça. Oui, ouais. Mais ça, c'est trop bon. Mais là, je suis dans une passe cette semaine que je prends la sec gourmande. Ça, il y a des patates, il y a des toasts, comme des. Ben, bacon. C'est comme un. C'est comme un assiette. Un Canadian breakfast, on va dire. Mais pas mal moins graisseux et dirty qu'un. Les patates sont bonnes. Mm-hmm. En tout cas, ça, j'ai mes passes. Mais j'avais jamais eu ma passe de chocolat. Okay. Moi, je suis plus comme fruit. Ben, ça, c'est. Mais fou, ça, c'est trop bon, là. Ouais. Mais quelque chose que moi j'aime à l'auberge, c'est les pizzas. Mmh. Moi j'aime tout le temps de les faire comme là, parce qu'ils les font préfaire, puis les cuisent. Mais moi dans le fond, je suis difficile. Il y a des choses que j'aime pas avoir dessus, et des choses que j'aime avoir dessus. Ah, donc je les fais faire. C'est difficile. Moi, difficile. Mmh. Mais certainement bon. Moi, ma préférée, c'est poulet pesto. Ok, on est bon, tu sais là. Moi j'aime la. C'est à quoi la canadienne, là, non? Ah, okay. Mais ça, c'est la canadienne. Ouais. Là, du bacon, avec dessus, bacon, ça. Ouais, excellent. Moi, je prends poulet pesto avec side de tzatziki. Oh, le tzatziki est bon dans mon sûr. Bon, prochain combat. Ok. Mousse, fraise, ananas. Ça, je suis excitée. Papa l'a essayé, puis ils ont dit qu'ils adoraient ça. Pour vrai? Ouais. Ok, cool. Okay. C'est frais, c'est comme été. Ah, ben, ok. Ça, j'ai le feeling d'avoir la même expression qu'on a eu avec le Paris-Brest. Là. Ouais. Mm. Contre. Mm. Le sablé au sucre. Ouh. Sablé au sucre qui est en dessous, hein, il y a en dessous de l'eau. Hein. On va commencer avec le sablé au sucre, c'est ça. Je vais montrer ça, là. La fois, c'est du gros sucre, c'est pas du sel, by the way. C'est ça. Ouais. Imagine d'un gros sel de merde. Grosse bête là-dedans. Du sel à homard, là. Moi, j'ai inventé. Hey, c'est du bon gros sucre. Ça, c'est bon. Comme moi, j'aime plus ça que les biscuits. Ça, là. Moi aussi, c'est plus mince. Comme lui, là, au chocolat, il est super bon. Oui, oui. Ben, il me l'a pas donné parce que j'en ai un que je mangeais souvent. C'est ça. Donc, j'aime ça quand c'est mince, justement. Mmh. Léon. Ça, là, ça goûte. À Noël, c'est sûr, t'as déjà mangé ça, genre, chez ta grand-mère. Ben oui. Tu sais, des boîtes de biscuits, genre. Moi, quand je vais chez ma mémé, il y a toute une boîte de biscuits, là. Tu peux te faire du sucre vert, tu peux te faire du rouge, tout ça. Ça. Ça goûte ça. Ah, ça, c'est excellent, pour vrai, là. Ça, c'est vraiment bon. Mais là, on a un biscuit. Quand on a une mousse. Une mousse, ouais. Mais ne soyez pas surpris, on non, sait jamais. C'est ça, on sait jamais. On sait jamais. Et puis lui, il est dû, mais il est mou en même temps, il est comme moist. Il est moist, il est mou. C'est peut-être de la chaleur, il fait ça. Là, tu veux savoir un morceau de fruit ou juste. C'est pas nécessaire. Pas nécessaire, ok. Non. Si on s'entend, j'aurais pas mis à couper ça. Eh oui, hein. Et si vous voulez, je vais te donner sa fourchette. Oh non, je vais te donner un morceau. Non, c'est bon. Mais ça, en vrai, là, comme exemple. On va dire, en vrai, au magasin, là, elle est plus dure. Là. Ouais. Non, ben c'est plus ça. Lui, il a dit, il venait dans le frigo, puis il dit comme, saoulait quand tu vas la manger, puis là, ben, tu évident, là. Faudrait qu'il se mette qu'elle aurait passé en premier, mais. C'est ça, par là, c'est vraiment une texture molle. Oh mon dieu, gars. Oh, carrément, ouais. Le frais, genre, de l'ananas avec la fraise. Oh, la fraise goûte bonne. Ouais. Ah, oh, ça goûte comme le shortcake, mais 100 fois meilleur. Oui. Puis la croûte en bas, elle est comme moi, là. Tu sais, pas du. Oh my god. Ok, ben ça, là. Ça, c'est vraiment bon. C'est un vrai dessert d'été. Eh, ben là, j'en prends un morceau. Ah, oh, non, je suis pas supposé. Sorry. Ça, oh, là, c'est bon. Mais genre, sorti du frigo, là. Genre de la. Red Lul. Là, sur la terrasse. Waouh. Oh, la fraîcheur de la fraise, c'est tellement bonne. Vraiment bon. Là. C'est vraiment comme un shortcake aux fraises, comme t'as dit, genre. Oui. Là, je sais pas si vous allez pouvoir avoir. Hey, si bon. En tout cas, c'est ça. Miam. Ça, c'est bon.
Hey, c'est excellent ça. Ça, c'est nouveau, genre, de cette semaine. Mmh. Ouais. Mais je crois, là. Oui. Je pense, honnêtement, qu'il l'a fait exprès pour qu'il ait ciselé le show. Oh. Ouais, parce qu'il voulait avoir comme leur plus populaire, les nouveautés, pis tout ça. Bon, ben, moi, c'est de mettre valeur sur sa part, ça. Moi, c'est ça aussi. C'est bon, là. Mais le sablé au sucre, pour vrai, est excellent, là. C'est comme c'est totalement différent. Là, j'étudie toutes les mêmes, là. So far, oui. Ah. Mmh. Ben, c'est correct, ça. Mais c'est vrai, là. C'est mousse, ouais. On va aller avec mousse. C'est ça, ben, t'sais, c'était quand même un biscuit comparé à comme un gros dessert de mousse. Là. Mais tu sais, tu mets un biscuit Moi, je vais être content avec manger ça, mais si tu me donnes ça, je vais manger ça au lieu. Béni, tu croirais, Seigneur. Mais tu sais, tu mets un biscuit, exemple, President Choice à côté du sablé. Non, mais c'est pas la même affaire, là. Le sablé était gros, là. Ben, tiens, on va faire une petite draft. Hey, ça, pour vrai, je suis surpris. Vraiment. Je pensais pas aimer ça. Pour vrai, là. On goûte plus à fraise. Le l'ananas est juste là pour dire. C'est ça, si vous avez peur en cause, il y a des ananas, tu sais, il y en a qui aiment pas ça, les ananas. Moi, ça j'avais peur, ouais. Ah, ok. C'est comme pour réconforter ou dire à l'ananas, c'est comme tu goûtes la fraise, là, t'as la même, comme je suis ici, moi, tu sais. Hein? Ça va bien aller. Vraiment. Oh, oui. Maintenant, moi, je viens de piger. Ah, c'est vrai, excusez. C'est ton tour. Okay. Il nous en reste quand même. Oh, yes. Croissant aux abricots. Et ça, là. Mignon, on a déjà goûté. Puis garde. Ça ressemble à des œufs. C'est quand même un succès. Regardez ça. À chaque fois que je vois l'auberge, je le regarde. Là, je dis à Marie, genre, une des premières choses. Je dis, Marie, c'est-tu des œufs comme explique-moi c'est quoi? Elle dit, ben non, c'est des abricots. Ben, ça a l'air. Comme, honnêtement, moi, il m'aurait dit que c'était des jaunes d'œufs. Ouais. Je le croyais tout de suite. Pour vrai. Ça, ça a l'air que c'est. Comme c'est populaire, là, d'où ce qu'ils viennent. Genre, en France, oh non, pas comme de la pièce. Le Suisse au chocolat. Non. Ben, oh, Seigneur. Garde, on va mettre ça de même. Si que l'abricot bat le sauce au chocolat, c'est parce que c'est exceptionnel. Moi, je sais pas si je peux faire le reste de la journée si ça gagne. Je sais pas si ça va être. Un gros deuil à faire. Oh my god. On va commencer avec le Suisse parce qu'on sait ce que ça, ça goûte. Là. Mais c'est comique, j'ai justement parlé de l'abricot ce matin, ça a l'air, c'est ça, par leur place, comme d'où ils viennent, genre l'abricot c'est comme populaire. Nous autres, ici, c'est comme. Peut-être c'est quelque chose qu'ils font pousser beaucoup par là-bas, comme tu nous autres, les fraises. Ben, même les desserts, nous autres, il n'y a pas d'abricot, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, ça a l'air que la grosse affaire, puis il y a comme une. Parce que honnêtement, tu me dirais à quoi un abricot ressemble, je pourrais même pas te dire. Ouais, c'est comme une petite boule, là. C'est pas ressemble... Je trouve que ça ressemble à une pêche. Ok. À moi que je sais pas. Ben, je dirais que moi j'avais la tête d'une poire. Je peux-tu faire une recherche? Ouais. Mais je suis pas mal sûre. Moi la seule chose que j'ai chez nous à l'abricot c'est du savon. Ah oh, ouais, c'est ça. Ça ressemble à une pêche. Ah ben là, ok, c'est une pêche. Ok, ouais. Ça ressemble à ça. Moi ça, je le fais chauffer 30 secondes à micro-ondes et c'est la meilleure chose. Ouais, c'est mental. C'est bonne valeur, mais. Ça, là. Je ne suis pas montré. Moi, je t'appelle la tresse. Ouais. C'est vraiment comme un. Mais ça doit être un signe. Tu sais, le signe de. Les rubans comme du cancer, tout ça, là, comme je trouve. Ouais. Avec du sucre en poudre dessus. Puis dedans, il y a quelque chose. Il n'y a pas juste du chocolat, là. De l'amour. Il y a de l'amour en puni là-dedans. Comme ça, je trouve ça comme. Ça, c'est. Moi, c'est mon go-to. Oui, ah, mon Dieu, je croirais. Moi, c'est go-to. Tu vas à l'auberge, faut que j'en prenne un. Ce qui n'a pas, je suis en deuil. Chauffé. T'as déjà goûté ça? Non, jamais. Oh my god, c'est terrible. Quand je t'ai envoyé une photo l'audio, là, cette semaine, là, j'ai mis 30 secondes dans le micro. Ben, voyons donc. Hey, j'ai jamais. Je fais chauffer ça. C'est trop bon. Ouf, ok, cool. Bon, ben là, le mystère. Eh ben là, il faut qu'on goûte, genre, le jaune. Bon, ben, on va quand même le jaune en deux, ouais. J'ai pris le couteau qui coupe le plus dans mon garde-robe, tu sais. Parce que moi, je veux m'écouter dans mon garde-robe. Hein. Il y a comme une crème, genre. Okay, ok, il y a de quoi dessus. Ouais, c'est ça. Je prends ce morceau-là, je vais prendre l'autre. Okay. Ça a vraiment la neuf. Regarde, c'est le blanc. Ça n'a pas de sens. C'est quand même sexy. C'est drôle. Puis il y a le bon gros sucre du sablé de tantôt. Non, ça là, c'est du sel, celui-là, par exemple. Du sel? Je vais te avec mon image, j'ai lu ça là. Non, mais tu sais, honnêtement, je sais que ça coûterait terriblement cher, mais comme pour faire un poisson d'avril, une fois Jérôme devrait faire ça. Tout ce qu'ils ont gros sel, gros sucre, mais du sel, rien dit. Mais ça qui est bien, c'est comme la mode, tu sais. Ouais.
Non, ça sent les fruits, ça sent vraiment l'abricot, là. Ben, l'abricot, là, je sais même pas si c'était un abricot, j'ai vu ça sent l'abricot. ça sent ça. je viens de me le fourrer. Oui, ça sent, je comprends ça. Mm, ah oui, ça sent bon. On dirait, moi, des affaires aux fruits, je suis stressée. Je trouve que ça goûte le flan. Avec... On se rappelle, le flan n'a pas passé. Non, mais la texture d'en dessous. Ah oui, oui, oui. Comme la belle. Oui. Ouais, le... C'est le restant du flan. C'est un des restes. Non, mais peut-être qu'ils font comme ensemble, peut-être. Mais entre le flan pis ça, j'aime plus ça. Je trouve qu'il y a plus de goût moi, dans ça. La pâte autour, tu parais qu'elle est comme... Il y a de l'amour, il y a du beurre là-dedans. Mmh. Ouais, clairement. Mais l'abricot, là, ça fait vraiment frais. Ça fait comme... C'est vraiment bon. Mais... Moi, je suis vraiment étonnée. C'est plus proche que je pense que ça l'est. Je vais mettre ça de même. Ouais. C'est pas comme... Non. Non. Moi, là, ben moi, c'est sûr, c'est ma tresse. Hein. Ben, mon Suisse, hein, moi, j'appelle ça une tresse, mais je vais prendre l'abricot au nouveau. Mm. Chaud pour l'été, c'est bon. Comme je prendrais ça, genre. Non, vraiment, là, c'est surprenant. Si une journée, j'aimerais pas avoir du chocolat, genre, je mangerais ça, on dirait que je serais comme. Je serais pas déçu. Ouais, c'est ça. Abricot. Comme quelqu'un m'apporte ça chez nous, là, moi, je vais être excité, là. Tu sais, exemple. C'est à découvrir. Parce que honnêtement, c'est pour vrai, là, comme même moi, quand tu dis abricot, genre, oh, non, c'est. Non. Ouais. Non. Mais là, crime. Puis genre, tu sais, la texture, je dis du flan, mais avec le mandou, la pâte, genre, qui est comme plus dur, il y a cette affaire-là de texture, là, tu sais. Comme que c'est dans bon. Le flan, c'est juste mou. C'est juste du mou. C'est là, t'as du dur puis du mou. C'est ça, moi, c'est dans le fond. Moi, je suis une fille de texture aussi. Mais c'est ça qui est, je crois, à moi. Parce que ça serait rien dans le fond, une petite croûte comme ça. Uh-huh. Avec ça, je serais pas sûr. Exact. Plus. Bon, mais ben. J'ai encore le goût de l'abricot, moi, j'aime ça. Mais moi, ça va être ma tresse. Là, ça va être le fun, OK? Parce que ça va être le sablé aux amandes. Aux amandes. Contre le millionnaire. Ah, mon doux, ben là. Moi, je suis vendue, déjà. Moi, j'ai jamais goûté une miel-là, oui. Okay. Ben, tu sais, le sorbet, on s'entend, ça, c'est... Moi, j'ai hâte de goûter le millionnaire. Ça, c'est nouveau aussi. J'aimerais rien vous dire. Bon, OK, ben ça, amande puis millionnaire. On finit avec le millionnaire. Tu sais, c'est comme concept, là. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'en a parlé du millionnaire, puis on finit avec lui. Ben, c'est ça, t'sais, j'ai vu dans tes commentaires, genre, qu'il y avait du monde qui avait dit... Il y a une dizaine de personnes qui a parlé du millionnaire. Ah, c'est nouveau, là. Moi, j'avais jamais vu avant. Ouais. J'ai jamais goûté à lui ou à main. C'est correct. Non. Mais j'aime encore sa petite galette, genre la minceur. Il fait-tu bien juste la galette, rien dessus? C'est niaiseux, mais ça serait juste bon. Tu sais, une mousse de bonne galette. Okay, juste ça, ouais. Ouais. Pas de chocolat, pas de sucre, pas d'amande, tu sais. Je pense pas. Moi, je ronde. La galette est mentale, c'est vrai, là. Mais ils vendent les sacs de petits biscuits, ça se peut que c'est genre ça, mais anti-biscuits. Ça se peut, c'est vrai. Tu sais, encore là, c'est vraiment bon. Comme, c'est vraiment bon, mais comme... Mais c'est bon avec la menthe. Mais personnellement, j'aime mieux avec le petit sucre. Oui, moi aussi. Mm. Puis honnêtement, j'aime même plus que le chocolat. Oui. Le petit sucre. Mm-hmm. Pour vrai, je cherche pas. Le sucre est vraiment bon. Genre, t'as fait un dessert, mais tu veux pas une grosse affaire, moi je prendrais ça. Il y a tellement de choses à découvrir là-dedans, je veux comme pouvrir, là. Trop bon. Tu prends aller là comme un mois de temps tous les jours, puis il y a des affaires, t'as même pas goûté. Puis quand Cécile fait ses potages. Oh, moi, je suis dans un autre monde. Moi, là, les potages. Ben, comme à quelle sorte? Toutes les potages. Ah, okay, moi, je suis une fille de potage. Pouvrir, moi. Ah, je prends pas. Genre, quand je vais dans un restaurant, faut que je prenne un potage. Ben, ouais. Comme hier, comme je vais pas trop en parler parce que je vais avoir des larmes aux yeux, là. Mais hier, l'année passée. Comme hier ou l'année passée? Non, mais hier, exemple, l'année passée. Oh, ok. Back to the future. J'étais à Las Vegas. Mm. On a été manger au restaurant à Gordon Ramsay. Oh, Hell's Kitchen? Oui. Okay. Puis on a pris un potage, mais j'ai pleuré tout le long de mon potage. Ben voyons donc! À ce point-là! Oui, moi je suis vraiment une fille de potage. Ben, c'est un potage au coin, une fois que t'as goûté là? Là, ça arrivait dans un plat, puis il y avait des patates, il y avait genre des champignons, il y avait comme une petite fleur.
Pis là, là, le monsieur, il arrivait, genre, avec son bol de main. Pis là, il mettait ton potage devant toi, genre, juste ça, je pleurais, moi, là. Ben ouais, je vivais une expérience. Ben, c'était le but, c'était l'expérience que tu c'est vivais ça. Avec lui, là. Mais ouais, juste les potages, en général. Ah, oh, ouais? Des potages à Cécile, là, tu me fais le même effet, là. J'ai pas pleuré à l'auberge, mais comme, tu sais, c'est bon, là. Hein? Cécile, oh, Cécile slash Gordon Ramsay, où c'est la différence, hein? Ok, elle est plus belle que lui, là, oh, juste c'est ça, on a bien Cécile. Ouais. Tu as caractère à Jérôme, dans le fond, qui a caractère à Golden Rings. Jérôme, t'es un ange. C'est la valeur, là. Oh, les hommes de moi. Hey, ça m'intrigue, ça. Ok, c'est vraiment plus stiff que je pensais. Mm-hmm. Oh, j'aime le croquant du biscuit. Mm-hmm. C'est terrible. Qu'est-ce que ça goûte comme du fudge. C'est terrible. C'est terrible. Comme tu peux pas avoir meilleur que ça. Wow. Comme... Moi, je trouve que la tarte est super bonne, mais moi, ça bat la tarte. Oh! C'est terrible. Je sais qu'on n'est pas rendu là, mais... Sneak peek à la première position! Oh my god! OK, wow! C'est bon, c'est mou, c'est comme... Je sais pas comment expliquer. Moi, ça que j'ai... comme je trouve que le chocolat caramel goûte pas mal ça. Ouais. C'est le dessous qui fait toute la différence. Oui. Mais le caramel est beaucoup plus dur. Oui, oui, oui. Ça, ça fait comme un... Comme un fudge. Comme un fudge. Comme un sexy. Wow, ben là, ça passe. C'est bon, ça, hein? C'est bien de valeur la mangue. Désolé, la désolé le petit sablé. Eh hey, bon! Là, on les a tous goûtés, là. Oui, là, c'est la deuxième ronde. Trois combats, puis il va y avoir trois gagnants. Oh my god. Puis après ça, ben là, il va falloir que c'est au millionnaire. Alright, so, premier combat. Les combos aussi, là, ça va être... Ok, c'est vrai, tu mets un nouveau. Ah oui, moi je fous. J'aimerais juste faire un petit retour sur ta food fight de ketchup. Que j'ai faite là. Ben non, mais c'était super. Moi, je veux juste dire que moi, c'était le. Ah, ben oui, crime, c'est vrai. Moi, c'est le ketchup au Dutch QFO. Ah, ils sont bons, mais hein? J'ai vu que tu l'as aimé. Ah, non, non, moi, là, c'est vrai. Mais là. J'aimerais goûter, lui, la sensation. Mais j'ai jamais goûté. Ah, c'est... Puis honnêtement, il y a une dizaine de personnes qui m'ont contacté depuis, puis ils ont dit qu'ils l'ont acheté, puis ils ont capoté. C'est vraiment bien. Comme champ gauche. Oh, là, tu penserais pas. Ouais. Je te donne l'honneur depuis j'ai le premier. Premier de demi-finale. Coucou, Suisse au chocolat. Ça va être tough, ça, là. Non. Contre Chuck Bell, le millionnaire. Non. Ou, là. Non, non, impossible. Impossible. Ok, non. Mousse fraise ananas. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Moi, j'ai hâte de goûter la mousse quand elle va être pognée ensemble. Ouais, là. Ouais, là, elle est. J'ai hâte de voir ça va faire une différence. Attends. Mais c'est quand même difficile. C'est bon. Les deux sont super bons. Tu veux-tu un morceau, là? Ben, c'est ça. Pas le choix, là. Ben, est-ce que tu te gagnes goûter ça de nouveau? Pas obligé. Pas obligé. Cinq fois que je veux goûter de nouveau. Tu veux-tu d'avoir un morceau? Ben, regarde, c'est mon ici. Ben, on va souffrir pour la cause. T'as c'est pas comme si on souffre. T'as qu'à faire du diabète. Est-ce qu'on va en faire comme du monde? Eh ben, c'est sûr, il y a quelque chose qui se passe dans notre système à soir. On va avoir une diarrhée, probablement. Oh my god, en plus, moi, à soir, je m'enligne pour un festin. Oh, pour vrai? Qu'est-ce que tu m'enlignes à soir? Ben, je m'enligne, je vais dire un autre nom de. Mais au yuzu. Oh, ok. Je commande comme une grosse boîte, genre, moi, mes amis. T'es, ok, tu manges fait du yuzu, toi? Hein? Ouais, moi, les sushis, là. Moi j'aime le yuzu, j'aime leur spring roll. Oh, t'as vu ça? Ouais, toi, t'es genre ma mère, tu sais. Ben, maman, j'aime les sushis. Le sushi, mais... Ben, moi, okay, je la fais, je suis allergique aux fruits de mer. Ah, oh, ok. Je peux pas manger l'affaire de crevettes némites, mais comme, moi, c'est poulet teriyaki, okay, porc, ça, okay. Ou des veggies. Ok. Ah, ben, ça, c'est pas humain. C'est juste du bonheur, c'est juste... Ça, là, ça me fait rire, j'ai dit c'est pas humain. Ben. Tu sais, t'as écouté Occupation 2 l'année passée? Oui. Quand Claudie a fait sa crise, là... Tu peux pas faire ça, un être humain! C'est pas humain de me faire vivre ça! Mais ça, c'est ça. Claudie. Ça, c'est parfait. Hey! Complément d'information, tu la soutiens un petit peu, Claudie? Ouais. As-tu fait leur faire les boules? Non, mais elles sont plus grosses, hein? Ils sont big time plus gros! Karine, elle est comme hier, elle a vu une annonce, je sais pas qu'est-ce que c'était. Elle a dit que c'est comme ça quand elle est dans sa semaine. Elle est souvent de sa semaine, vous avez dit, parce que moi, à chaque fois que je la vois dans les mains, je suis comme, c'est vrai, elle a des gros tatons, on dirait comme. Je sais pas, je pense. Ben, dernièrement, elle a dit qu'elle n'a pas plus brassière, ou je sais pas si elle se met comme des crèmes-œufs qui la montent, ou. Parce que Karine est comme, fuck, mais ça me l'est terrible, la boule. Là, je suis comme,
Ouais, raison. Moi, j'ai comme gardé une photo de OD, puis c'est vraiment comme. Ben, Mathieu, il fait des commentaires dans ses stories sur Chum. Ben, j'ai le bon. Moi, lui, il est content. Il... Ouais. Mais ben, clairement, il. C'est rare que là, c'est comme, oh, come on, là, comme. Tu sais. Oh my god. Déshydrate-toi un petit peu, quelque chose. Fais quelque chose ouais. avec toi-même. Ouais, ils sont comme. Attends, c'est lui. Bon. Et là, c'est la mousse. Ben. Garde. Tu veux laisser un goût dans nos morceaux? Ben. Je pense pas, là. Non, moi je vais le prendre avec ma cuillère de même. Okay. Parce que Karine va l'en goûter. Moi je vais prendre avec une fraise, c'est pour ça. Mm. Et là, il était pas là, mais là, t'as mangé une fraise, ça m'a fait penser. Ils ont des petites tartelettes avec plein de fraises dessus. Hum! Mm. Oh oui! C'est bon. Avec le coulis au fait. Oh, Seigneur! Ça, c'est bon. Ça, c'est des desserts d'été, moi j'appelle. Hum. Mm. Eh, c'est peut-être que la fraise encore meilleure, là. Non. Mais je peux pas. Moi, je reste avec. Moi aussi, j'ai pas le choix. Suisse. Mm. Le suisse est tellement bon. Mais j'ai vraiment adoré la mousse, mais la prochaine fois que je vais à l'auberge, je le prends. Ouais. Mais comme qui sort direct, ça va être plus. Moi aussi, ouais, même chose. Ou soit ça, je vais la prendre, je vais arriver à la maison, je vais la manger tout de suite, ouais, le pâle. Ouais. Mm. Ou soit la prendre une journée qui fait moins chaud aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait 3 jours là, que Dame Nature est supposée mouiller. Là. Je sais pas ce qui se passe. Elle mouille pas, je comprends pas. Le millionnaire. Ben, au moins, le suisse est parti. Ouais, exactement. Oui, Seigneur, t'as tout compris. Ça te passerait pas là. Le millionnaire et. L'abricot. Probablement. Non, pécan érable. Tartelette pécan érable. Ok. Ben, garde. Moi, je goûte pas. Moi non plus, c'est millionnaire qui traverse tout de suite. C'est ben de valeur, là. Ouais. Même chose. Je vais goûter la mousse. Il essaie de se convaincre qu'il a pas pris la mousse. Ah, il est boule. Oh, regarde, il est boule. Mmh. Ouais, millionnaire, passe tout de suite. Mmh. Oui, c'est millionnaire. C'est vraiment bon. Pis ben, hey, honnêtement, là, c'est abricot qu'on était tartelé de choco caramel. Mais ça. Tu veux-tu goûter? Non, je vais pas goûter parce que je suis comme saturée. Ben, moi, je vais goûter la mousse. Parce que... Oh my god. Hey, my god, elle est bonne, la mousse. Il est pas ben. Mais moi, pour vrai, là, je sais pas. J'ai vraiment aimé l'abricot quand même. C'était une surprise. C'est ma surprise, genre, de la journée. Mais il passe-tu? Mais c'est ça l'affaire. La question. Regarde, je te laisse penser. Moi, je vois avec le choco caramel. Ouais. Parce que j'ai moins aimé l'abricot que ça, mais j'ai beaucoup aimé l'abricot aussi. Ben, moi, c'est. Je vais dire pour le chocolat sur le top, là. Ok. Tu vas garder le chocolat aussi. Ok. Mais, là, ouais, ben là, faut faire un top 3 entre le Suisse au chocolat, le millionnaire et comment c'est appelé, la tartelette de choco caramel. Oh, le Suisse et le millionnaire. Là, en passant, je bois un matcha froid. Matcha bon. Glacé à l'érable. Mm-hmm. Ouais, c'est moi, c'est notre drink, moi, ma femme. Mm. Ben, dans le temps que tu penses, moi, j'ai décidé, je vais prendre un petit peu de mousse. Il va la manger au complet. Frais, là, faut t'enlèves goûter à Karine. Ça, c'est vrai, j'ai oublié ça. Une chance, là. Karine, je t'ai fait une bête. Moi, qu'est-ce que je choisis? Regarde, moi, je vais montrer moi. La tartelette, moi, est mon troisième choix. Si on a le même. Ok, bon. Moi aussi. Oh. Tartelette choco caramel, troisième position. Mais belle découverte. Parce que j'avais jamais goûté. Ben, j'avoue, c'est ça. Ben, j'avais goûté, là, mais. Pour être top 3, c'est ça, la découverte. Ouais. Numéro 2! Moi, je m'avance, je vais avec le millionnaire. Ouais. Ce qui donne la première position pour Johnny ici, au Suisse au chocolat. J'aime pas qu'on a le même, mais on dirait que je peux pas mettre le Suisse en deuxième. Ben, moi, je vais l'appeler la tresse. La tresse. C'est comme mon. Tresse au chocolat ou whatever. C'est le Suisse, mais moi, on dirait que j'ai tout le temps appelé ça. Ouais, je peux pas. C'est comme plate, on a le même. C'est pas comme pantoute, Free. Mais c'est la vraie vie, là, c'est vrai. C'est la vraie vie, moi. Mais le millionnaire, je vous jure, c'est terrible. Ah, c'est excellent. Mais le Suisse, là, je pourrais manger ça tout le temps. Le Suisse est juste wow de la première bouchée que tu prends à la dernière. Puis après la dernière, t'es comme, hey, j'en prendrais d'autres. C'est ça. Le mix de tout. C'est bon frites. C'est bon chaud, qu'elle dit. Moi, je capote. C'est. Genre, c'est ça, c'est comme exemple, tu fais un brunch là, avec du monde, tu mets ça le déjeuner. Là. Mais tu sais, un millionnaire à 8h le matin, pas sûr. C'est sucré, ouais. Mais tu sais, pour ben le moi, le Suisse, quand je prends le déjeuner à l'auberge, j'en prends ben un c'est je ça. Le mange, je le compte, c'est une valeur. Non, le Suisse, là, moi, depuis qu'ils ont l'auberge, moi, je suis tout le temps pour ça, là.
Ça va faire combien d'années, là? 4? 5 ans? 4? Ça... 5? Mm. Ça va faire... Hey boy! Minimum 3 ans, plus sûr! Ça fait 5? 5, non, c'est long, 5? En tout cas, depuis, ils font ça, puis moi, je suis capable. Ben, depuis que c'est Jérôme puis Cécile. Ouais, c'est ouais. Ça, ben c'est 4. Ouais. Je sais pas. Comment ça fait longtemps? Jérôme va nous dire. T'es sûr, Jérôme? Moi, 4 ferait du bon 5, je sais. Ouais, quelque chose comme ça, mais moi, je suis satisfait de notre 3. Suisse au chocolat, numéro 1, tresse, numéro 1. Deuxième, le nouveau, le millionnaire. Le millionnaire, ça, puis c'est vraiment millionnaire. Là, est... C'est un gâteau de champion. C'est ça. Et numéro 3, la tartelette choco-caramel qui est à l'encontre en train de couler. Là. Non, mais ça n'a pas d'allure, c'est ça. C'est incroyable. Moi, as-tu comme une découverte? Genre, moi, la mousse et l'abricot, mais plus la mousse. Là. Moi, la mousse numéro 1. Et deux, le sablé au sucre. Ça, c'est vrai aussi. Le sablé au sucre. Je vais prendre un morceau d'ailleurs. Ouais. Tu peux même le dipper dans le caramel. Oh my god. Puis garde, moi, je vais aller. Moi, ce que j'ai moins aimé, par contre, là, c'est pas un négatif, genre, c'est dégueulasse. Moi, c'est le flan. Mm-hmm. Moi, je pense que ça, c'est un goût, faut que tu t'habitues. Moi, j'ai un feeling. C'est ça. C'est un goût vraiment précis, là. C'est ça, c'est spécial. Faut que tu sais ce que tu prends, genre. Ouais. T'as bien, il y en a du monde qui connaît ça, tu sais. Ben, regarde, Jérôme, son dessert préféré. Exactement. Tu sais, il y a un goût. Ça, c'est moi, dans les tutes, c'est ça que j'ai un petit peu moins aimé, moi. Oui, moi, c'est vrai. Une autre découverte, par exemple, le Paris-Brest. Ça, j'ai hâte de savoir si c'est au café. Ouais. Ben, ça goûtait ça. Je serais pas surpris, honnêtement. Si ça n'est pas au café, il y a quelque chose. Il y a une épice là-dedans. Parce que tu vois que la crème, c'est la crème chantilly, je crois qu'il y a comme ça. Ben, il y a une couleur. Allez, est-ce qu'il y a un site? Oh! Quelqu'un qui s'en vient manger nos desserts. Merci, mon père. mets juste ça là, je suis en train d'enregistrer. Mets rien que ça dans le garage. On partage pas nos desserts. Oh, mon père aime pas le sucré, non? En vrai? Ouais. Mais. Non, mon père fait de la diabète, mais il les mangerait toutes. Ouais, non, le Paris-Brest, ça, je pense qu'il appelle ça de la crème chantilly. Ah, tu vois la couleur, il y a définitivement quelque chose là-dedans. Là. Mais ça, là, c'est bon, le sablé aussi. Ah, c'est mental, là, pour vrai. Là, comme... ouais. Mais c'est... Tu vois, c'était mental. Même l'abricot, c'était bon. Ouais, là, moi, comme... je suis vraiment satisfaite d'avoir goûté. Ah, c'est wow. À chaque fois, je voulais goûter. Là, vous entendez un petit tracteur qui rentre dans le garage, là. Anyway, vous l'entendrez peut-être pas. Ouf, et en tout cas, c'était vraiment bon. Moi, je suis... vraiment reconnaissant de m'inviter aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. On a vu un rêve. Un beau moment. Beau moment. Puis moi, j'aime. Honnêtement, j'avais peur que t'arrives ici, puis tu les 12, non, 11 avaient déjà goûté. Non, mais c'est ça. Ils ont parlé de ça tantôt. Ils ont dit on a essayé de prendre les autres qu'on pense que t'as jamais goûté. Mais il y en a plusieurs que j'avais jamais goûté. Puis il y en a d'autres qu'on n'avait pas aujourd'hui. Moi, genre, c'est ça que j'aime beaucoup. Non, c'est bien qu'on en parle. Tu sais, c'est comme un. C'est l'éclair. Ah oui, ok, ouais. Ça, c'est un classique. Oui, tu sais, comme avec la petite pâte, là, il y a de la crème chantilly blanche, puis là, il y a des fraises, avec genre, je sais pas c'est quoi les petites feuilles. C'est soit de la. On dirait que ça a de l'aloe. Oh my god, je peux pas te dire, moi. Je suis pas un passionné de feuilles, mais. Ça a pas l'air de la menthe, parce que je la goûte, ça a l'air de l'aloe. On dirait que j'ai jamais mangé. Ok. J'ai jamais demandé, je veux dire, que c'était. Ils vont nous répondre là parce qu'ils vont nous écouter, évidemment. C'est quoi les petites feuilles? Les petites feuilles? Check bien, c'est du basilic, comme nous. Comme ben tout. Non, c'est plus épais. C'est plus épais? Oh, ouais, c'est plus c'est épais. C'est comme dur. C'est pour ça que je dis, on dirait ça dans l'aloès. Ben l'aloès, c'est ça qu'on se met sur... Ouais, c'est weird, ça, mais ça là-dessus. Je sais pas. C'est peut-être bien banal. Ouais, c'est ça, t'sais. C'est peut-être quelque chose que j'ai pas pensé. Ouais, tu fais des feuilles de pissenlit. Ouais, tu sais, pas en arrière, tu te fais par là, tu sais. Bon, t'as-tu enjoyé ça? J'ai trippé bien grave. Je suis vraiment contente. Là, la question qui tue, que tout le monde veut savoir, vas-tu venir faire une jasette avec moi, ça? Pour Abba, même si j'ai rien dit, hein. Hey, hein? Elle a tellement des affaires à dire. Puis, regarde, tu sais, ça fait 50 minutes. Ok, oui, on a mangé, là. 50 minutes qu'on mange. Ah, bon. Ouais. Tu sais, t'as dit plein d'affaires, là, qui sont intéressantes. Tu shootes, pis je suis c'est que le tip d'iceberg, là. Tu sais, Mylène, là, elle a parlé de ça, là. Mais il y a tout ça, en gros, qu'elle peut parler, là. C'est ça, je suis pas gênée, là. Tu sais, j'étais pas gênée. C'est, on dirait que je voyais pas, genre, comme. Oh, l'intérêt que le monde voudrait écouter ça, dans le fond. Genre, mais dans le fond, tu sais, je fais mes vlogs, ça, je comprends ce que tu voulais dire. Tu sais. On verra autre la vie nous en prend. Ouais. On peut parler d'une partie des vlogs, on peut parler d'une partie des. Ouais, on a parlé un petit peu de tes voyages, tout ça. On parle de Disney. Moi, hey, tu avec votre jasette de princesse, ben oui. Bon. Ben, merci encore une fois à l'auberge d'Anjou. Merci. Coucou, Ning! Café. Coucou, Ning! Tu sais, moi là,
Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je sais pas si c'est un terme utilisé. Ouais, c'est vraiment comme. Je pense qu'ils m'ont déjà dit, tu sais, c'est comme cozy chez ben, eux, c'était comme. Par là, c'était comme. Okay. C'était important pour eux. Ben, c'est le plus beau mot sur la terre. Cooling! Café. Il vient d'avoir. Donné ça, c'était excellent. Oui. Et il y a pas grand chose là-dedans qui va aller à la poubelle, je vous dis tout de suite. Là. Non, c'est ça, tu vas avoir des moi, j'en ai mangé à coup. Ben, je vais finir mon sucre de chocolat. Moi, j'en prends plus, je vais. Ben, y a-tu que tu voudrais apporter chez vous? Non. Non? Ben, okay. Tu sais, je vais les garder pour toi. Si j'ai. Ouais. Comme, ben, moi, si Francis va entendre ça, il va pas être content. Ben, tu sais, comme. comme le millionnaire, il mangerait, mais comme fait le goûter à Karine, tu sais. Ok, ouais. Bon, okay. On va là. Ouais. Ok, cool. Pas. Bon. Ben, merci, merci à Mylène Cormier. Merci à toi. YouTube, ceux qui veulent le monde m'écouter. YouTube. Mylène ou Instagram. T'es bien active là-dessus aussi. Mylène Cormier. Puis tu sors des vlogs à toutes les semaines. Deux ben, par semaine. Tu sais, toi, t'es comme genre 1er juillet. Ouais. Tu sais, toi, t'as dit ça, t'es 7 et. Moi, je suis comme. Ben, c'est correct, ça. Go with the flow. C'est le fun, ça, parce que en fait, t'as pas de deadline. Moi, des c'est fois, ça. Je suis comme. C'est ça, moi, ça va comme ça vient. Tu sais, je l'ai sorti un hier, là, j'en filme un aujourd'hui. Sur, là, il va être bien demain ou après-demain. Okay. Quand ça, quand ça va. Ça prend-tu longtemps à éditer? Comme. 2 heures, je dirais. Ouh, ok, ok, ok. Ben, moins que ça, peut-être 1 heure. Ok. 1 heure et demie. Parce que c'est environ 45 minutes, 50 minutes. Ben, c'est que je parle, genre, comme quand je fais mes vlogs, j'ai comme 2 heures, là, comme exemple. Ok, de... tu coupes. Mais, tu sais, je trouve que c'est long. Tu sais, je le fais comme 55 minutes, des fois, mon plus long, mais, tu sais, c'est long pareil, là. C'est 1 heure. Ouais, c'est. C'est comme un film. D'accord, le même. Ça, là, faut juste. Puis c'est comment... meilleur que ben, des films, honnêtement. Des chansons, tout ça, là, mais. Bon, ben, j'espère que vous avez enjoyé ça. Puis là, à ce temps, vous autres, vous avez une mission. Allez à l'Auberge d'Anjou, Cooling Café, pour chercher n'importe quoi ce que vous voulez. Mm-hmm. Et même le flan. Encore là, c'est pas encore qu'on n'a pas dit qu'on était. C'était waouh, que vous n'avez pas aimé ça. Exact. Mais la mousse est excellente. Non, j'ai hâte d'aller la goûter froide. Je m'en vais. Ben, je m'en vais pas là, pas tout de suite, là. Parce que moi, je pense que. Hein, je pense que la bédaine est assez aujourd'hui. Mais je pense, comme là. Dans la semaine prochaine, là, je vais aller, là. Cool. Donc, ça que c'est. Puis ben là, j'ai déjà la prochaine Food Fight de la journée pour le mois d'août. Je sais déjà que je vais faire. Je ne vais pas le dire. Ah oui, mais. Ben, allez écouter le vlog à Mylène parce que je l'ai annoncé en primaire. C'est une exclusivité. Puis ben dans le mois de septembre, là, je recommencerai nouveau avec de quoi. Parce que pour l'été, je voulais supporter local. Ouais, c'est parce que, tu sais, le COVID a fait du mal à bien du monde. C'est ça. Puis ben là, il y a du monde qui recommence à travailler puis qui veut recommencer à avoir de la business. Puis oui. Donc, comme le nice. Ouais. Puis ben, la prochaine. La prochaine aussi. Ça va à Teurs. C'est excellent. Mmh. Cherchez ce que vous voulez. Mais faut venir voir ma vidéo. Hein. Exactement. Mmh. Là, on va faire exprès. On va mettre ça à la fin du vidéo pour que tout le monde l'écoute. T'sais. Non, c'est genre pas mal. Ça va être dans mon début. Vrai? Ah, matin, je m'ai préparé. J'ai fait de la balayeuse. Puis j'ai dit, je m'en allais faire quelque chose de spécial. Je vais être après la balayeuse. Hein? je vais être entre la balayeuse et le pliage de linge. C'est là que je vais être. Ça, ça va. Tu vois ça ou un mal de ventre? Non, mais ben, tout le monde va faire du jardinage. Oh, jardinage. Je vais être entre la balayeuse et le jardinage. Mais je vais voir ton lunch de sushi. Oui, à soir, tu vas voir ça. Yes! Cool. Avec Guérette? Oui! Guérette! Oui! Les autres, je ne me rappelle pas de leur nom, les autres. Anna! Anna! Mm-hmm. Guérette! C'est ça! Guérette! Oui. Eh, moi, on vient de la même place. Guérette, hein, elle dit ça! La vendeuse des piqûres! La vendeuse des piqûres? Ouais, si jamais vous voulez des piqûres! Hey, le macaroni au fromage et puis bon, hein? Retardé. Uh-huh. Moi, je vais ça de même. Bon, okay, on se parle plus qu'on les rend en saut. Ça va être dans notre jasette, à moi, puis dans la okay. C'était vraiment moins chaud. Donc, en tout cas, merci. Ben, ça fait plaisir. Ça fait que passez une très belle journée, tout le monde. En espérant que vous faites beau, puis chaud, vous êtes dans la piscine. Oui. Puis, ben, allez à l'auberge dans le Cooling Café. Ça fait que c'était Johnny et Mylène, la vlogueuse. Peace out. Bye. Hashtag Josie. La food fight à Johnny.